Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Enshrouded. Bah écoutez, après ce fiasco dans notre donjon, c'était un test, hein, donc il n'y a pas de regret, hein, pas du tout. C'était un petit peu tendu quand même, hein. Alors là, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire plusieurs petites choses. Déjà là, il y a un petit truc que je viens de voir. On va faire un petit peu de construction et de décoration. Toc. Ah oui, c'est vrai que pour continuer, il faut que je passe la flamme. Et c'était quoi qu'il me fallait? C'est quoi qui me bloquait? Je me rappelle plus. Bon, on va voir ça après. On va voir ça après. Ah, excusez-moi, j'ai un doute sur ce que je voulais faire. Oui, donc. Hop. Hop. Voilà. Parfait, donc ça on va le retirer maintenant. Ok. J'ai supprimé une flamme, donc je vais pouvoir en avoir une de plus. Je la mettrai sûrement devant le donjon, je ferai ça de mon côté. Alors, on va regarder les semis que j'ai. On va commencer à décorer un peu la base. J'ai ça en semis. J'ai ça. J'ai que ça en semi. J'ai le maïs qui est en train de se préparer. D'accord. Bah, on fera peut-être ça après alors. On va d'abord partir en mission. Et puis on verra après. Alors, l'objectif. J'aimerais bien. Allez, ici. Alors, il va me falloir. Ah ouais. Peut-être cette tour-là. Cette tour-là a l'air plus proche quand même. On va bien voir. Ah oui, mais non, 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 je suis bête, je suis bête, je suis bête. Reviens, reviens. Faut que je passe mon niveau de flamme. Sinon, ça va pas être possible. Et ouais. Sinon, ça va pas être possible. Alors. Donc, oui. Il me fallait ça, ça, ça. Ça, ça et ça. Et qu'est-ce qui m'empêchait de le faire? C'est des ambres qui me manquaient. Ah oui, je devais y aller de mon côté, mais j'y suis pas allé de mon côté parce que j'ai pas eu le temps. Eh ben écoutez, on va y aller. Hein? Ça devrait être rapide. Je pense. Eh oui, j'ai. Oh, purée! Il y a un trou. Hein. Il était déjà là, ce trou, là? Aïe! Je suis où là? Attendez, attendez, je suis perdu là. Où est-ce que je suis là?
Je suis pas à ma base. Attendez, il y a un truc que je pige pas là. Saule écœureuse. Saule écrasée. Bah, si pourtant. Ah, mais ça a changé. Ça a changé, mais moi j'avais pris mes habitudes ici. C'est pour ça le trou, je me suis dit, mais il vient d'où ce trou quand je suis tombé? Ah oui, ça a changé. Ah oui, ça a carrément changé. Aïe. C'était mes fesses, ça. Bon, ça, ça n'a pas changé, par contre. On perd pas trop de temps. Non, je voulais pas faire ça. J'ai glissé. Oh non. J'ai glissé, chef. Oh, c'est de la perte de temps, ça. Y a pas moyen de s'agripper quelque part, là? Purée. Ah, moi qui voulais que ça soit rapide, bah c'est pas rapide. Ouais, non, mais je vais pas perdre de temps à faire un tour et tout. Hein. Hop. On est où là? On est loin, je veux dire? Ouais, un petit peu quand même. Hein. Oh, purée! Non mais... C'est pas vrai ça! T'en dire que tu peux pas tenir là quand même! Allez, on monte comme ça. C'est bon, on voit le jour. Allez, sors là. En vrai? Hop, voilà. Eh bah dis donc. Ah bah. Allez, on enchaîne les conneries. Et normalement, c'est par ici. Ouais, c'est par là.
C'est ici. Bon, ça va être rapide, hein. Ouais, vous voyez, ah, vous voyez que j'ai un cadavre qui traîne. C'est dans le donjon, hein, c'est ce que j'ai pas ramassé. Oh purée, je me fais peur tout seul. Notre souffle, pardon. Ça, on est d'accord, c'est pas du de l'ombre, non. Ça aurait été trop beau. On va aller s'occuper de ça là-bas. Après, pour pouvoir se téléporter. Allez. Je sais pas combien il en faut, j'ai pas regardé, je me rappelle plus. On va récupérer un peu quand même. Hein. Allez. Ah bah tiens, vous n'avez pas manqué, vous. Hop, et c'est bon ça. Alors, un petit gisement. Normalement, il y en a un. Voilà. Ah. Parfait. Je crois que c'est 15 qu'il faut, mais je suis à 22. On va aller jusqu'à 30. Hein. Enfin 30, j'en sais rien. C'est pas des gros gisements, c'est des petits gisements. Mais comme on peut venir autant de fois qu'on veut, à partir du moment où on se déconnecte et qu'on se reconnecte. Bon, je pense que ça doit suffire là. Allez. Comme ça, on va pouvoir aller visiter une nouvelle zone. Normalement. Normalement. Hop. Non, j'ai rien. Ok. Bon, allez. Non, c'est pas ça que je veux. Ah non, ça va être bon là. J'espère. Ah, mycélium, étincelle par 10. Pourquoi j'ai... Ah, mais j'ai tout rangé, mais c'est... Oh.
Il y a des fois, je me fatigue tout seul. Diviser la pile. Voilà, 10. Voilà, ça va être bon là quand même. Ah, parfait. Allez, mettre tout mon bordel là-dedans. Pas perdre du temps sur la vidéo. Hop, allez, je rangerai ça de mon côté. Ah, il fait nuit. D'accord. On va dormir. Et on va partir en expédition. Et normalement, là, ça doit être bon. Voilà, parfait. Sac moyen. Et ouais, j'y pense. Catch you later. Équipé. Ah bah oui, voilà la différence. Ça fait un étage en plus. Bon. Jeter. Voilà. Et cette fois on y va. Bon, allez, c'est parti là, parce qu'on a perdu du temps. Hop, on va aller ici. Ouais. Je sais pas si c'est le plus court, hein. Je suis pas convaincu. Je suis pas sûr. Eh ben, on verra bien, hein. Allez, c'est parti! On verra ce que ça donne. On est à 600 mètres, à peu près. J'aime pas trop. Pas de lave, s'il vous plaît. Ben si, il y en a là. Oh, mince. Évidemment. Ah, ouf. Ouais, ça, je veux bien récupérer, par contre. Il me semble qu'on pouvait passer par là. Ah, mais non! C'est là que je voulais aller. Ah bon? Ah bah voilà. Je me disais aussi. Voilà, il y a un pont là. Ah, cool. On dirait qu'il y a des trous. Hop, allez, on s'approche, on s'approche, on s'approche. Trois cents mètres. Ah bah alors. Par contre, depuis la mise à jour, j'ai l'impression que elle a du mal avec les doubles sauts. C'était juste une impression. Faudrait qu'on essaye de passer par là. Par là. On continue tout droit.
tout droit, j'ai dit. On va suivre le chemin. Mètres. Ah. On s'approche de quelque chose. Nouvel emplacement. Ah purée. J'ai pas pensé à... Regardez si je pouvais changer les touches. J'ai travaillé sans relâche pendant si longtemps. J'ai été le dernier à rester et à essayer de m'accrocher à n'importe quoi. Cher grand-père, j'ai été un imbécile. Je ne peux pas sauver la maison que tu as construite de tes mains. Les vapeurs de la rivière fragilisent la pierre. Mes os se décomposent. Un profond chagrin s'est insinué en moi. Il est attaché à ma colonne vertébrale. Il convulse dans ma cage thoracique. Je dois m'asseoir, me reposer, juste un instant de répit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Bloc grossier taillé. Cool. Apparemment, c'est en tout cas ce que je voulais faire n'est pas validé. Ça, oui, après, ça a 40 mètres par là. Ah. Vingt mètres. Purée, je suis pas loin. C'est quoi? Alors ça se trouve c'est en dessous, hein. Ah, j'ai pas l'impression. En fait, fallait peut-être pas descendre. Ah, attendez, on va peut-être pouvoir faire ça. Oh purée. Hop. Là, comme ça. Ma pioche est presque HS. Ah, c'est pas vrai. Oh non. Pas possible. Ah, purée, j'ai réussi à passer. Ouh. Ah, c'était ça. Voilà. Obélisque ancien. L'humanité est éphémère, bien d'autres qu'un bref moment dans le temps. Un souffle trop long, un battement de cils. Pourtant, malgré sa nature mortelle, elle a créé le feu, une femme bien à elle. Bien à elle. Pour éclairer la voie vers une aube imminente. Ok. Peut-être faire ça, hein, c'est juste à côté. Un petit peu le but d'enchaîner l'émission. Attendez, il y a un camp là. Au moins augmenter ma vie et mon endurance. Avec un peu de chance, il y aura peut-être quelque chose pour réparer. Ah bah j'ai bien fait d'aller là. Effectivement, l'obélisque partage les mêmes marques que celles que nous avons étudiées dans les règles exaltées. Il s'agit d'un système d'écriture formel composé de logogrammes et de sillades. Syllabes, pardon. Oh, mais qu'est-ce que j'ai été inventé comme mot. Et de syllabes. On est sérieux, quoi. Validons mon hypothèse. Certains lexigraphes sont répétés, ce qui laisse présager
un consensus thématique ou encore un vocabulaire limité. Cependant, je vois des signes uniques par rapport aux obélisques orientaux. Un dialecte. Comme d'habitude, je ne peux pas déchiffrer la langue. Je suis déçu, mais pas surprise. Ok. Il n'y a rien pour réparer apparemment. Bon. Allez, on va par là. On va essayer d'avancer sur, sur nos missions. Hop. Allez, hop, hop, hop. Alors, Hillock. Je sens que ça va être dur. Oh mais, hey, sérieux? C'est un petit rat? Mais c'est un rat? Je suis en train de me faire démonter par un rat. Non mais... C'est quoi ce beans? Eh oh, c'est des niveaux 9, faut pas déconner. Alors là, je suis épaté quand même. Ouais, bof, ça m'intéresse pas trop. Et ouais. Y a rien, y a rien, y a rien. Qui me tire dessus, c'est toi? Ok, là on a une grande tente. Ah, avec un petit coffre doré. Ah, et du lore. J'aurais dû être réveillé, je ne l'ai pas. Ils ont surgi sur notre... Ah, purée, c'est pas vrai. Et les emmerdeurs, là. Fini, oui. C'est bon, je peux lire. Ils ont surgi sur notre camp la nuit avec une férocité imprévisible. Leur manteau en fourrure était taché de traces rouges, qui tournent maintenant à la rouille. Nous avons traversé leur nouveau territoire. À peu près la moitié de mes frères et sœurs ont disparu. Absinthe, liqueur de vermouth, de malheur, une couche ignoble et amère qui anesthésie mes lèvres. Je me suis battu pour eux, j'ai levé ma hache pour eux, mon armure arrachée, mes mains. Pour toujours tachées de rouge, nous n'aurions jamais dû passer par Arène Vuka. Mère, je t'en prie, ne perds pas foi en moi. Nous partageons le même sang, je vais persévérer pour eux. Et plus jamais je n'échouerai. Jesmina. D'accord. On a validé. Ah ben on a validé. Bon, on va quand même visiter, hein. Parce que. Il y a peut-être des choses intéressantes quand même à trouver. Oh.
Hop, allez, on va par là. Puis on va retourner à la base. Et puis je pense qu'on va faire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire de la déco. Ouh là là. Ça va là, je peux réparer là. C'est pas maintenant qu'il faut m'aider à réparer. Ok. Oula, j'ai surpris, oui. J'arrive, il va. Ah oui, super. Tiens, regarde. Un petit coffre. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah ouais, il me semble bien. Bah non. Ouais, bref. Ok. Et eh ben écoutez, on va se téléporter, on va faire ce qu'on devait faire, la décoration, et puis on aura comment dire, on aura encore bien avancé. On a fait deux missions et on va voir après par la suite pour continuer sur cette voie, parce que hop, va bien falloir avancer. Alors j'ai des semis de maïs. J'ai ça, des semis, ça, toc. On commence la déco, hein. Ce sera pas fini là, évidemment. C'est juste pour faire un petit début de déco. On va commencer par ça. Donc, je pense que ça serait pas mal comme ça. Là, comme ça. Là. Et dans le prochain épisode, je pense que ça aura poussé. Donc ça sera pas mal. Un petit là. On met un là et un là. Un là. Un comme ça. J'aime bien aussi le maïs au niveau. Alors attendez, on va peut-être mettre ça. Hein. Alors je vais pas tout mettre évidemment parce que j'ai laissé de la place pour potentiellement d'autres plantes. Hop. Hop. Ouais, il va falloir qu'on mette d'autres plantes. Mettre du maïs. Je vais peut-être en mettre un là. Ah, ça passe là. Nickel. Je vais mettre un là. Un là. Là.
Et voilà, et voilà. Et on n'a plus qu'à attendre que ça pousse pour le résultat. Voilà. On va remettre ça là. On a encore plein de choses à faire, hein, au niveau de la base, hein, les coffres et tout. Ouais, il y a du boulot. Mais déjà, la décoration va commencer à se faire. Donc là, on y réfléchit, hein, on y pense. Là, il va y avoir un puits. Le deuxième puits, je ne sais pas où je vais le mettre. Je ne sais pas du tout. Ah, par là, pourquoi pas? Pourquoi pas par là? Ouais, on verra. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye!